Nous nous retrouvons et donc pour ce nouvel épisode donc de l'épopée d'un enchanteur. Donc je viens de décider le titre de la série, hein, j'ai pendant l'encodage du premier épisode. Donc je tourne à la suite, hein, et j'ai réfléchi. Ah, mes trucs ont disparu, c'est pas vrai. Bon bah non en fait, je pensais que ça allait rester. Pourtant c'est bizarre, c'est 1 heure de jeu. Et ça fait pas 1 heure que je joue, normalement les pouvoirs auraient dû rester, c'est bizarre. Bon, écoutez, bah l'objectif en fait c'était d'aller chercher des Blaze Rods, mais on s'en fiche. Allez, on y go, donc je prends mon stuff et puis on. Et puis bon bah tant pis, bah sans célérité, on va y aller, je vais tout vous mettre en accéléré. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Des torches évidemment. Du poulet, je remets en bas. Ça, je devais le redescendre. On va prendre un peu de bois en bas, histoire qu'on soit sûr du truc. Et sinon, ben, on est parti. Très bien. Eh ben écoutez, je vous mets tous en accéléré. Fin de l'accéléré. Qui c'est le youtubeur le plus chatteux? C'est moi. Voilà, donc comment j'ai même pas compté combien de diamants comportait cette grappe. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois qu'il y en a un 9e en dessous. Bah en gros, bah j'ai pas de diamants dans l'inventaire. On va piocher ça, on va voir combien ça nous fait. J'ai pas de la vautour. Hein. Je vais juste assez cette lave-là, la neutraliser. Oups. Histoire qu'on soit vraiment tranquille. Et puis ben c'est parti. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 diamants. Donc largement plus que ce qu'il me fallait, parce que tout ce qui me restait c'était pour la table d'enchantement. Et il me fallait de l'obsidienne aussi pour la table d'enchantement, donc je vais me servir. Je vais plutôt me servir. Je vais voir s'il n'y a rien en dessous. Apparemment non. Voilà. Bon, je casse le premier avec vous, mais sinon je vais... Je vais remettre en accéléré. Oula.
Hop. On va... voilà. Donc je vous passe ça encore en accéléré. C'était juste pour vous montrer les diamants que j'ai. Donc je vois que ma chance pour vous trouver des diamants ben, n'a pas diminué. Donc voilà. Bon bah à tout à l'heure. De toute façon comment alors j'avais prévu un chrono mais en fait je crois que bah, de toute façon avec les accélérés on s'en fiche un petit peu. Résultat ben il se peut que comment que je coupe les épisodes en plein milieu voilà quoi, juste à la fin d'un accéléré ou juste après que je sois revenu avec vous. Je ne sais pas du tout où commence et où finit les épisodes. Voilà. J'essaierai quand même de trouver, de faire à chaque fois, de vous dire un petit salut à chaque début d'épisode, mais je vous le garantis absolument pas. Voilà. Bon, je vous reprends en accéléré tout de suite. Évidemment, la luminosité a diminué. On va la remettre un petit peu à niveau. Et c'est reparti pour une séance de minage intense. Donc, à tout de suite. Croyez-vous? Non mais est-ce que vous y croyez? Non, sérieusement quoi. Il y en a deux sur, peut-être plus. Trois. Il y a l'air d'y avoir que trois, quatre. Cinq, cinq non? C'est ouais, cinq là, derrière la redstone, il y en a un cinquième. C'est ça, ça fait cinq. Il n'y en a pas en dessous par hasard. 6. Oh non, j'y crois pas. C'est pas possible. S 7. Oh non. Non, tu te fous de ma gueule là. C'est une blague, c'est pas possible. C'est un fake là. C'est ça, ça fait 7. Hein. Ça fait... Non, ça fait... Non, ça fait les 4 là et 2. Non, ça fait que 6 en fait. Ok. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 diamants. Le serveur lag, ça apparaît pas. Pourquoi? Il y a le serveur qui lag, mais je vais pas tarder à récupérer les ressources. C'est pas un problème. Au pire, je déco reco, ça va apparaître. Oula. Oh, d'accord, il y a les 4 blocs là qui sont réapparus, même les 5 blocs là. Donc ça me fait 10. Allez, oh, c'est pas vrai. Ouais, il y a des gros rollbacks là, pourtant on n'est pas... Ah, on est 5 sous le serveur. Ouais, mais même d'habitude on est plus que ça, il n'y a pas de rollback comme ça, donc c'est bizarre. Là, c'est parce que, en fait, le truc, c'est que là, en ce moment, il fait très chaud et le serveur est en surchauffe. C'est... Je déconne pas, c'est hallucinant. Il a pris 11 degrés dans la gueule là, d'après ce que j'ai pu voir. Donc je vais voir pour remettre un ventilo prochainement. Oh là là là, les rollbacks. Bon, voilà. Bon, écoutez, je reprends en accéléré dès que je retrouve un filon. Voilà,
Puis si l'expérience la voulait bien arrêter de me casser les rouleaux. Et je voudrais récupérer la redstone. Bon. Écoutez, je reprends l'accéléré tout de suite dès que j'ai récupéré les ressources. Parce que là, ça a l'air de laguer un peu. Peut-être parce qu'ils sont glitchés quelque part. Bon, donc voilà. Donc, à tout de suite pour encore un accéléré. Après, on va faire une autre activité, c'est promis. Et donc nous nous retrouvons. J'ai peut-être fait un petit peu n'importe quoi pendant accélérer, c'est parce qu'on parlait énormément avec les autres joueurs du TS. Donc nous allons donc maintenant que nous sommes assez bien stuffés. Il me reste une dizaine de diamants, donc je sais qu'il faut 24 diamants il me semble pour se faire l'armure full diams. Donc c'est chiant comment le Minecraft n'a pas encore sorti. Enfin on galère à installer Minecraft pour qu'on puisse avoir nos skins personnalisés. Donc c'est pour ça que je sors skin de Mexicain et que j'ai pas mon skin de Doctor Who comme d'habitude ou le ciel de ou le skin de Ciel Phantom Hive. Bon enfin c'est pas grave. Là on va aller maintenant qu'on est bien stuffé, qu'on a une épée en diamant. On va aller se casser la gueule à quelques blazes. Donc c'est parti. Donc on va partir vers le donjon. Ça fait longtemps que j'y suis allé. J'espère que ça n'a pas été griffé. Normalement c'est sous résidence, mais bon, c'est pas trop grave. J'étais dans la ferme qu'avait construite TB Killer pour aller chercher un peu de cuir. Le spliff, non, c'est pas par là. Donjon du Nether, c'est là. Voilà, il y a des flèches qui ont été tirées. Je sais pas comment ça se fait. On va appuyer là. Voilà, ça nous donne une potion de résistance au feu. Ok. Épée en main. Et c'est parti. Donc là, hein, c'est quoi ça? Ah, c'est vrai que on avait déconné, on avait mis une sentry là derrière. Je vais la détruire au passage. Ouais,
Bon, c'est pas trop grave. Pierre, je vais me faire ça rapidement. Hein? D'où ça sort ça? C'est en cassant le... Non. Ah non, c'est quand j'ai... D'accord, c'était des flèches qui restaient dans les dispensers que j'ai récupéré en... Puisque... Merde! C'est des flèches dans le truc. Bon. Hop, attendez, je récupère juste... Je récupère des blaze rods. J'en ai récupéré qu'une. Tu te fous de ma gueule. Il me faudrait une épée looting. J'irai l'enchanter plus tard, mon épée. Il me reste l'enclume de toute façon à créer aussi. Si je dis pas de bêtises, il me reste une deuxième potion. Ouais, il me reste une deuxième potion de résistance au feu. C'est juste histoire que je puisse... attendez, c'est juste parce que je voudrais virer ces dispensers là. Les flèches, je les balancerai. Hein. C'est du cheaté, alors je les balancerai. Ou je les mettrai dans le dépôt. Ah bah non, de toute façon, des flèches, on en a à volonté dans le néant. On en a à plus savoir quoi en foutre, donc autant... hop, autant que je jette tout ça. Ouais, avec les entités au sol en plus ça lag. Attendez, excusez-moi. Alors oh putain. Alors normalement vous pouvez pas accéder à vos underchests comme ça. Nous en tant qu'administrateur on peut. C'est juste parce que j'essaie de me débarrasser de 2-3 trucs pour hop. Je comptais pas me servir de mon underchest pendant la série, mais bon, donc voilà. Il faut juste que je tue quelques undermen pour... Enfin, quelques undermen. Quelques blaze rods pour être peinard. Non, ça lag trop. Je me tire de là. Et j'aiderai à récupérer les autres flèches plus tard. Je vais balancer ça dans de la... Comment, dans de la lave pour être peinard. Bien sûr, je vais me faire tirer dessus. Oula, ouais, avec les flèches au sol, ça lag trop. J'ai failli en plus tomber dans la lave. Oh là là, je tourne à 3 FPS, c'est balèze. Ok, je retourne au spawn rapidement. C'est juste parce que, voilà, les flèches nous embêtent un petit peu. Oh, le lag de fou. Bon. Ok. Et puis, je sais pas pourquoi, je lag à fond. Mon frappe tourne à 3 FPS. Pourtant, j'ai rien qui tourne derrière. Ah si, merde, j'ai l'encodeur de mes vidéos qui tourne derrière. C'est ça qui fait ralentir le jeu. Le serveur marche très bien. Je coupe, à tout de suite. Bon, et nous retrouvons pour... donc j'ai nettoyé un petit peu les flèches, j'ai enlevé toutes les flèches, j'ai dû couper. J'ai bu ma deuxième potion de feu et donc on continue à farmer les blazes. Il nous faut des blaze rods parce qu'il va falloir que je trouve. Alors normalement on peut le faire. Alors si vous connaissez pas ce truc, comment il y a par monde, à chaque fois que vous générez un monde, il y a 3 stronghold de générer. Donc ça veut dire qu'en fait dans mon monde MDJ, théoriquement, je n'ai jamais vérifié et je n'ai jamais essayé, hein, mais on va vérifier ensemble. Normalement, c'est dire qu'il y a 3 stronghold dans mon monde personnel. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est la grande bibliothèque qu'il y a dans le stronghold.
N'essayez pas de passer par le... Comment? Par... Dans vos mondes personnels, de passer par le portail de l'End. Il vous enverra pas dans l'End, hein, il ne vous enverra nulle part. Il faut passer par le portail de l'End, du monde général pour aller dans l'End. Vous passerez pas par ailleurs. Donc voilà, je vous le dis. Ou alors c'était un homme dans le dans l'End, mais sinon vous pouvez pas. Je vais finir par crever de faim en plus. Donc j'ai une potion de résistance au feu, hein, donc ils me font strictement rien. Ça nous fait combien? Ça nous fait 13. Ah, pourquoi il me fait... Oh zut, j'ai ramassé les flèches quand même. On a des gros rollbacks sur le serveur. Hein. Bon, c'est pas grand-chose, c'est pas trop grave. Bon, hop. Excusez-moi, coupure. Voilà, hop, excusez-moi, petite interruption. Tout, 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 tout. Ouais, bon, ça fait un hop, tac. C'est pas vrai. Hop, voilà. Débarrasse de ça, de ça, de ça. De ça, parce que c'est cheaté, ça aussi, et ça aussi. Hop, voilà. Normalement, c'est bon, c'est plus dans mon inventaire. Merci, au revoir. On va... Donc, je vais retourner dans mon monde. On va se crafter les Under Eyes. Youpi, oula. Voilà. Ok, non, les Under Eyes, c'est plus haut. Donc on va prendre un petit stack. On va... Donc que je me souvienne... D'ailleurs, j'ai même pas besoin de ça. C'est pas des blaze rods comme ça directement. Non, il faut d'abord crafter les blaze rods. On va en crafter la moitié pour le coup. Ça m'en donne 2 à chaque fois, 16, donc on va, hop. Donc voilà, donc 16, hop, et 16, ce qui nous donne 16 œils du néant. Voilà. Très bien, ok. Donc je vais stocker. Oula, j'ai encore des gros rollbacks. De toute façon, oula, ouais, j'ai des grosses chutes de FPS. Je sais pas d'où ça vient. Ça, on prendra pour le prochain coup. La bouffe, on garde. Ça, on s'en fiche. Les seaux. Les seaux, on peut en avoir besoin là-bas. Les perdiams, évidemment. On prend rien d'autre. De toute façon, tout ce qu'on va faire, c'est aller récupérer les bouquins là-bas. Et c'est tout. Donc écoutez, je vais arrêter là, checker le temps, voir si on est à la fin de l'épisode, voire même si on a tourné 2 épisodes au total. Et puis ben, je vous reprends tout à l'heure pour la fin de cet épisode-là, ou alors ben, pour le prochain épisode. Allez!